بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves de la troisième année collège, aujourd'hui on va présenter un exercice d'évaluation. Notre objectif, c'est l'évaluation des connaissances et des capacités concernant le système nerveux. On va d'abord s'intéresser à la restitution organisée des connaissances. Complétez le texte en utilisant les termes scientifiques suivants. Les termes, vous les avez ici. Le nerf, la moelle épinière, le cerveau, sensoriel. Le texte, il est là. Alors là où il y a des points, vous allez mettre le mot qu'il faut pour avoir une phrase correcte. Là, vous avez un schéma. Vous avez les flèches 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous allez légender et titrer le schéma. On va passer maintenant à l'exploitation des documents. Là, vous avez un document scientifique qui représente les expériences de Majendie. Vous avez les résultats. Vous avez l'expérience 1, l'expérience 2 et l'expérience 3. La question, interpréter, ça veut dire expliquer les résultats des expériences. Vous allez mettre petit a et vous donnez l'explication du résultat, puis le petit 2 et le petit 3. Là, vous avez aussi une image qui représente un élément bien défini de la moelle épinière. Décrire le schéma. Ça veut dire que vous allez donner une description de ce que vous voyez et de ce que vous observez. Rendez-moi les réponses sur WhatsApp. Le numéro, vous l'avez ici, c'est le 06 60 11 11 80. Vous allez suivre l'étape suivante. Alors, là, vous avez les étapes à suivre sur votre feuille. Vous allez écrire votre nom, prénom et numéro. La restitution organisée des connaissances. Vous allez répondre à la question numéro 1. Puis là, vous avez la place du schéma. C'est pour la question numéro 2. Légender et titrer le schéma. On passe à l'exploitation des documents. Vous allez interpréter les résultats des expériences. L'expérience 1, l'explication de l'expérience 1, puis l'expérience 2, puis l'expérience 3. Donc, vous allez essayer de mettre tout ça sur une seule page pour que ça soit facile à photographier avec votre téléphone. Et vous allez m'envoyer ça sur mon WhatsApp personnel. C'est obligatoire pour tous les élèves. Alors bon courage et à la prochaine fois.